Alors dans cette exposition, on a voulu illustrer les inégalités dont souffrent les femmes un peu partout dans le monde. Et on s'est attaché sur trois thématiques particulières qui sont les problématiques liées au travail, au changement climatique et aux migrations. Puisqu'on sait que dans le domaine du travail, les femmes sont souvent moins bien rémunérées, mais aussi exercent des travaux qui sont moins qualifiés. Donc c'est un peu la double peine. Et puis souvent des temps partiels subis. Donc beaucoup d'inégalités dans le monde économique. Sur l'aspect changement climatique, c'est un petit peu moins évident, mais on sait que les femmes sont moins mobiles en cas de sécheresse, en cas de catastrophe climatique. Et par ailleurs, c'est elles qui ont en charge la recherche d'eau, la recherche du bois pour la cuisine, qui sont des sources qui se raréfient et qui nécessitent du coup des temps de travail beaucoup plus importants. Et c'est souvent elles, en situation de famine, qui réduisent le plus leur ration alimentaire. Et puis par rapport aux migrations, les femmes sont des personnes fragiles, souvent accompagnées d'enfants. Elles subissent des violences sexuelles et les conditions dans lesquelles elles sont accueillies souvent ne sont pas dignes, ne sont pas adaptées à leur situation.